Bonjour à tous. Alors, cette petite vidéo qui vient remplacer la toute première, parce que grosse faute d'orthographe, je m'en excuse. Mais bon, ça c'est pour ceux qui ont vu la première. Donc, je reprends donc sur cette vidéo concernant les camping-cars. Un ami m'a soumis une petite défaillance qu'il a eue au cours de son contrôle technique. C'est que, bah, évidemment, son camping-car pesait trop lourd, ce qui est bien souvent le cas. Donc un petit conseil avant que ça vous arrive, avant d'aller au contrôle technique, c'est de vider ses eaux grises et son eau propre. Comme cela, vous gagnez à peu près 150 kg à 200 kg. Vous pouvez aussi retirer les bouteilles de gaz. Vous avez une ou deux bouteilles de 13 kg, donc ça fait presque soit 13 kg, soit 26 kg. Rajoutez à 150 kg ou 200 kg, vous voyez déjà que vous passerez beaucoup mieux le contrôle technique. Donc, c'était juste une toute petite vidéo hyper courte pour vous donner cette petite astuce que vous n'avez peut-être pas pensé, mais vous devriez le faire systématiquement avant le contrôle technique pour éviter ce petit désagrément. Donc, je vais vous laisser. Je vous demande donc de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et je vous remercie de me suivre. Allez, à plus tard. Et regardez ce beau temps qu'on a en Bretagne. Génial, hein? Allez, à plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de la partager. À bientôt.